Bienvenue dans Grand Angle. Le stress de la compétition est déjà bien loin pour les minimes de la Ligue calédonienne d'athlétisme. Le temps est venu pour eux de visiter le pays et de découvrir tous les trésors de Tahiti et de sa voisine Moorea. On les retrouve tout de suite pour la suite de leurs aventures. Direction avec les jeunes, on va au PK16, on va à la plage, une petite détente et puis les gamins vont s'éclater entre eux. On va bien s'amuser. Vous êtes les bienvenus ici. C'est cool ici. Elle m'a bien eu. Et en plus, toi, tous les complices là. Non, ça ne pas. J'ai fait une idée. En fait, l'idée venait de. Non, mais j'ai vu Margot, elle a dit poussez-vous. Je dis non, il y a un truc qui. Je voulais me lever, tu vois. De toute façon, la connerie. Je m'éclate énormément en dehors de la compétition, puisque certains des athlètes se sont permis de remplir un seau d'eau et puis de m'asperger avec. Mais c'est super, c'est sur le coup, c'est fait. Je t'attends au virage. Mais c'est vrai, sur le coup, ils avaient préparé un peu de faire des paris sur moi, s'il est capable de faire ça, de me faire ça. Et finalement, ils l'ont fait. C'est rigolo. Hein. Bah, je suis mouillée, finalement, j'ai été à la mer. C'est pas grave. C'est cool ici. On s'entend bien avec les Calédoniens et puis on est sur la plage. On va venir à la mer et on s'amuse. Ben, les plages, c'est comme Wallis. Il y a plus de personnes ici. À Wallis, c'est pas souvent qu'on voit beaucoup de gens se baigner comme ça à la plage. Je crois que c'est parce que regarde la vague qui tape. Non, regarde, ça c'est l'équipe. Tu veux que la vague fasse se casse comme ça. Bah, elle va faire comme ça. Ça se casse des deux côtés en fait. Donc après, ça fait un bol au milieu. L'année dernière, on n'avait pas trop parlé ensemble par rapport à cette année. Cette année, on était plus amical parce que ils avaient le temps de venir nous dire bonjour et tout. Et on a parlé jusqu'au moment où, voilà quoi, il y a eu un coup de foudre, comment on dit, avec la délégation tahitienne. Au début, quand on est arrivé, moi je croyais que c'était une plage genre baie des citrons, mais non, en fait, il y a plein de cailloux devant. Et puis, voilà, ça va, c'est quand même net. Vu qu'on est parti au fond, on a baigné, et que les Wallisiens, les Tahitiens, tout ça, on est parti. Puis ben, là, on vient juste de revenir, fatigué de baigner. Puis ben, là, il y aura Michouille, c'est cerf croisé tortille. De la mère de porc, là c'est du veau. La maman de la petite chèvre. Il laisse le deuxième veau. Il y a le deuxième veau qui tourne encore. C'est le papa alors qui est dessus. Ça c'est le papa alors. Le vrai poisson cru à la tahitienne. Avec du lait de coco. Ah,
tout à tout. J'ai été invité par un membre du bureau, la maison elle était à côté, en face de la plage. Et on a fait un barbecue, les gamins ils étaient, ils ont vu faire le barbecue. Ils étaient stupéfiés de voir les différentes salades qu'il y avait à Tahiti, mélangées avec du poisson, que ce soit avec les pâtes, avec les ingrédients qu'ils avaient, fruitiers ou le méchoui. Et du coup ils étaient contents de manger, hein. C'est surtout ça. En tout cas, ils se sont bien amusés, ils ont bien rigolé pendant cette journée. Ils étaient avec les autres jeunes, les deux délégations. Et surtout ça, c'est ça le plus important. La cohésion et du moment que les gamins s'éclatent. Et après l'effort, comme on dit, le réconfort. La salade tahitienne était bonne, elle est fraîche. C'est du poisson frais. C'est les policiers, c'est tout policier, voleur, c'est tout voleur. Oui, c'est bon. C'est bon comme ça, vous avez compris. Alors aujourd'hui, ben, j'ai plutôt aimé que tout le monde soit là et tout le monde s'aime entre eux, on s'apprécie tous, on fait des nouvelles connaissances, on est tout le temps ensemble, c'est l'esprit d'équipe. Et puis peut-être qu'on peut trouver l'amour de notre vie. Alors cet après-midi, il y a vraiment, vraiment de la cohésion entre les trois délégations, que ce soit en groupe ou individuel, hein, puisqu'on voit certains de nos athlètes se disperser un peu, aller dans un coin et puis vraiment discuter soit à deux, soit à trois. Et là, vraiment, on a vraiment l'échange dehors du cadre sportif. Et avec des échanges de numéros de téléphone et puis surtout qu'ils vont se retrouver l'année prochaine et puis ils ont encore plus de choses à se raconter puisque maintenant avec Internet, ils peuvent faire des Skype et puis on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, ce lien s'est vraiment rapproché ces derniers temps, surtout aujourd'hui où les athlètes ont pu se retrouver entre eux et puis pas de cadre autour d'eux pour se raconter des histoires et puis s'amuser entre eux. Les plus grands qu'à Nouméa, il y a deux étages, il y a beaucoup de choses dans les magasins, il y a des pareos, beaucoup de colliers et des perles aussi, enfin, c'est un peu la référence aussi ici, des perles de Tahiti. Et ouais, il est bien dans l'ensemble. Oh, t'inquiète pas, c'est un serpent. Je plaisante. Oui. Alors la visite au marché, les jeunes déjà ils étaient stupéfaits de voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses, qu'il y a les fruits, il y a les produits traditionnels, il y a la fabrication des ukulélés. Ils se sont surtout focalisés puisque c'était en même temps, pas longtemps après, c'était la fête des mamans. Ils ont profité d'acheter des perles, ils ont profité d'acheter des sacs. Et surtout, ils étaient stupéfaits de voir qu'à l'intérieur du marché, qu'il y avait des gens qui venaient, qui chantaient, qui mettaient l'ambiance. Ils étaient contents et ils ont pu faire des cadeaux pour leur famille. J'ai acheté des boucles d'oreilles en fer. Ah, t'as acheté en même temps, en fait. J'ai acheté un bracelet pour ma mère. Et des colliers
avec des perles gravées. J'ai acheté un sac à main, bah, où il y a écrit Tahiti, enfin les vidéos Tahiti dessus, alors bah, j'aimais bien, alors j'ai pris. Et puis après j'ai acheté, c'est là, c'est emballé, alors on peut pas voir, mais pour mes amis j'ai acheté 3 bracelets, pareil, avec des paires de Tahiti dessus, et puis voilà, c'est tout, hein. J'ai acheté rien d'autre. Moi j'ai acheté ça, comme ça on fait la cohésion, parce que Chris il est venu avec sa guitare, et moi j'ai acheté un you, comme ça ce soir on fait, on va chanter un tout petit peu, et puis avec les deux délégations, avec quoi c'est cool. Comme ça, on fait un peu de mal de musique, et on partage un peu nos chansons, et puis comme ça, les gamins s'éclatent. Je cherche des shorts à ma taille, mais j'en trouve pas. Oui, il faut bien que je m'adapte. Je cherche un maillot qui va avec ma taille. Tu mets pas ça. Là, on est en plein milieu, ville de Papeete, on vient de rentrer dans un magasin d'un super choc. Les gamins sont achetés des shorts de surf, des dirigeants, des t-shirts. Et puis comme il y avait de la promotion, du coup tout le monde se sent bien. Et puis on attend les derniers qui vont bientôt sortir. Et après on va aller directement au logement. Le logement, pardon. C'est vers où le logement? Apparemment le logement c'est par là. C'est toujours tout droit. Et on attend notre guide touristique à l'intérieur du magasin, parce que s'il faut compter sur nous. Ah, je suis sûre et certaine que c'est tout ça. On est en bas de la cascade, d'une cascade. On vient voir à quoi ça ressemble, je crois. On sait pas si on a le droit de se baigner. J'espère, hein, ça doit être bien frais. De la cascade qui se situe à Mahina. Quand les gamins ils sont arrivés sur place, ils étaient contents et ils étaient incroyablement surpris de la grandeur de la cascade, des montagnes qui sont autour. Et quand ils sont arrivés sur place, et là les gamins ont comparé avec les cascades, la rivière de chez nous. Du coup, ils se sont bien amusés. Là, on voyait sur les yeux, ça brillait de partout. Et en même temps, l'appareil à photo, tout ce qui est numérique, ça flashait aussi de partout. Et ils ont déliré sur des montages qu'ils ont fait eux-mêmes. Et de se dire ben voilà, qu'ils sont à Tahiti. Soleil. C'est joli. C'est vrai, ça. En plus, il y a des plantes sur les côtés, tout ça, la nuit. Ouais. Mais c'est vraiment en bouche. Qu'est-ce qu'elle connaît en bouche ou pas? Par rapport à la cascade du Yapé, comme je te dis, c'est un peu plus petit, on va dire, enfin, en hauteur. Et puis, c'est quand même bon. On mange des caramboles. C'est Félicie qui a acheté, il m'en a donné un. Puis voilà, ça a un goût sucré, puis c'est bon. On mange tout. On va prendre un coco pour goûter, puis en plus c'est de la bonne, il paraît, ils ont goûté les athlètes. On peut pas venir sans boire le coco. Hein. Franchement, attends, je vais te dire ça. Quand tu vois que c'est chaleureux ici, puis en plus quand tu bois ça, tu ne peux pas dire que c'est pas calolo. Ok, on monte dans le bus.
Bah là, on va, je sais pas. Exciting and new. Come aboard. On s'apprête à aller sur l'île de Nouméa. Et là, je suis excité de la voir. Parce qu'on m'a dit beaucoup de trucs sur cette île. C'est beau et tout et tout. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. C'est la plus grande sortie qu'on va faire. Moi aussi. C'est la plus grande sortie qu'on va faire et c'est pour le dernier jour. Oui, dernier jour. Faire les souvenirs. Parce qu'après demain, on se tire à demain. Bref, merci Bina. Soon we'll be making another run. The lifeboat promises something for everyone. On est arrivé à Moréa, les athlètes ils sont motivés, ils sont excités surtout, surtout qu'on est avec la délégation de Wallis et Futuna. Et là on va arriver tranquillement, on va prendre le minibus et ensuite on va faire le tour de l'île. Et puis après à l'intérieur on va faire des jeux avec les gamins, puis après on va jouer un peu au youk et à la guitare, ça va être trop bien, trop choc. J'ai trouvé que le ferry il était super et c'était la première fois que je me suis montée dans un ferry et j'ai trouvé qu'il était super grand et que j'ai vu qu'aussi les voitures elles pouvaient se faire transporter par le ferry donc du coup ça fait bizarre mais c'était bien. Là pour Moréa, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Quand on a dit aux gamins qu'on partait sur Moréa avec la délégation de Wallis et Futuna, ils étaient contents parce que c'est encore plus la cohésion du groupe. À l'intérieur, on a pris le bateau, on est arrivé sur place, on a fait la visite de Moréa. On a fait le tour de Moréa. À un moment donné, on est arrivé, on s'est arrêté à un hôtel où il y avait des bungalows avec des spectacles de dauphins. Et à l'intérieur, un cours éducatif par rapport aux tortues. Ils étaient vraiment contents d'être sur ce lieu-là parce qu'on voyait la mer à droite et à gauche. Et autour, ils avaient la montagne avec d'autres bungalows. Vraiment un site idyllique. Moi, c'est Jonathan. Alors moi, je représente l'association Temana Ote Moana. Et je vais vous faire la visite de la clinique des tortues. Et on va aller passer voir les dauphins, ok? C'est le Dolphin Center en fait, donc c'est un espèce de parc aquatique, on va dire, où il y a des gens qui viennent, des soigneurs qui viennent tous les jours et les gens peuvent venir se baigner avec les dauphins. Alors, du coup, ces trois dauphins ils viennent de Hawaï et du coup, c'est pas les dauphins qui ont été dans la mer avant, c'est des dauphins qui ont tout le temps vécu en captivité, d'accord? Donc ça veut dire que c'est entre guillemets une démarche éco-responsable parce qu'on vient pas retirer les dauphins de leur milieu naturel. C'est des dauphins qui sont nés vraiment dans un parc et qui sont du coup été recueillis ici après. Est-ce qu'ils respirent du coup de l'air dans l'eau ou est-ce qu'ils respirent de l'air au-dessus de l'eau? Au-dessus de l'eau. Ok. Donc on peut dire que c'est un mammifère, c'est comme nous en fait. Il a des poumons et il vient récupérer de l'air en dehors de l'eau. Et alors sur le nez, on a ce qu'il appelle les vents, vous savez, c'est le petit trou là, on voit, il rejette de l'eau. Il souffle l'air qu'il a dans les poumons encore pour évacuer l'eau et après il en reprend. C'est pour ça qu'on voit l'eau qui jaillit quand il sort de l'eau. Ok? Eh bien, vous voyez, oui, parce que pour certains, ils n'ont jamais vu un hôtel de 3 étoiles.
et de se dire, ben voilà, là j'ai vu, je les ai entendus discuter, on les entendait dire, ouais, ben voilà, dans 2-3 ans, j'aimerais bien venir en vacances, ou quand je serai plus tard, un peu plus grand, où j'aurai une situation, je reviendrai avec ma famille en vacances. En fait, ils étaient plus émerveillés sur le cadre, dans le cadre, et pour certains, ils n'ont jamais vu de dauphin en vrai. Et ils étaient stupéfaits pour pas mal de choses. Alors ça, c'est une tortue qui s'appelle Tortilla. Les mots Tortilla, alors je vais recommencer par le début. Une tortue, d'après vous, ça a vécu combien de temps? Une centaine d'années. 1000 ans. 1000 ans. 110 ans. 110 ans. Ça vit entre 50 et 60 ans. Déjà, c'est elle, Tortilla. Ça se voit, elle bouge même pas. Mais non, elle est vivante. T'as vu, elle s'est décalée tout à l'heure. Après avoir vu la grosse tortue qui s'appelait Tortilla, qui avait 50 ans, on est parti voir les bébés. Elles étaient trop mignonnes, elles avaient des couleurs bien claires et bien flash. Et il nous a dit qu'il n'y en avait pas beaucoup ici, tout ça, et puis que c'était rare. Du coup, bah, il était sûr fier de nous montrer. Il a fait « Ouais, c'est une petite tortue, tout ça, là, mais... » Ah oui, il était trop dans son délire, mais ça, c'était choc. Puis on a les mêmes t-shirts. Alors voilà. Ah, elle veut voler. Alors on touche pas. Donc ça c'est une tortue verte. Vous inquiétez pas, je vais venir là-bas. Restez là-bas, je vais venir là-bas. Vous inquiétez pas. Alors vous avez vu sur son nez là, il y a deux petits trous. Oui. C'est par là qu'elle respire. Et vous voyez bien les deux écailles préfrontales. Il y en a que deux sur le front là devant. Ok. Et là sur sa nageoire avant, elle a une griffe. Alors que la tortue imbriquée, elle a deux griffes. Là, les jeunes athlètes, ils ont découvert autre chose. Ils ont côtoyé d'autres jeunes des autres pays. Ils ont appris pas mal de choses. Ils se sont ouverts à pas mal de choses. Ils ont surtout appris l'esprit du groupe, la solidarité. Ils ont gagné en maturité, en ouverture d'esprit. Et ils ont pris goût à l'effort. Dédicace pour Walid Futuna. À Papette, laissant derrière nous Moréa. Mais en tout cas, on s'est bien éclaté, on a bien rigolé. Et le principal, c'est que les gamins se sont éclatés et que dans leur tête, pour revenir ici, on s'est dit qu'il faudrait s'entraîner un peu plus dur et que dans 2 ans, ça va être encore des nouveaux jeunes qui vont venir sur Tahiti. 1, 2, 3. Bah ce matin, c'était rigolo parce que quand on est descendu, plus de 100 plus d'images des gamins comme ils sont levés à 2h. Quand ils sont descendus, il n'y avait plus personne qui parlait. Ils étaient tous fatigués. Mais bon, quand tu regardes derrière toi, hein, ça y est. Hein. Hier soir, on était bien. Mais on était bien, on ne voulait pas dormir et tout. On devait faire nuit blanche, mais bon, on a dormi quand même. Et puis ce matin, c'était dur le réveil. Réveillé à 2h, préparer les affaires et tout. Puis voilà. On est tous fatigués, on s'est levé tôt parce qu'on a pensé qu'il y aurait les bouchons. En fait, il n'y avait personne sur les routes, du coup, on est largement en avance. Et ce matin, on n'a pas mangé. Bon, à part, on a des petits trucs, mais voilà, ça ne remplit pas l'estomac et on a tous faim. Et on est tous fatigués, puis on a tous le moral à zéro parce qu'on va retourner chez nous, puis on va reprendre nos occupations habituelles, nos devoirs et tout. Puis il y a la rentrée dans 3 jours. Marley, bon. Je vais jouer la musique plus loin.
bienvenue en Nouvelle-Calédonie, aéroport international de la Tontuta. Il est 10h30 en heure locale. Nous sommes le vendredi 17 avril. Là, on vient juste d'arriver à Tontuta et là, les athlètes, on attend les parents et ils sont tous fatigués. Et puis, il y a eu des pleurs quand même parce que la délégation de Wallis et Futuna, ils étaient en transit avec nous. Du coup, avec la cohésion du groupe qu'ils ont eu à Tahiti, ils se sont dit au revoir, mais ce n'est pas un au revoir puisqu'on se voit bientôt. En tout cas, bon comportement des athlètes et puis surtout, Perling nous a permis justement de participer à cette compétition. Et puis j'espère que l'année prochaine ça va être encore mieux. Et comme c'est chez nous, on va prendre notre revanche. Et c'est surtout le principal, c'est que les athlètes ont vu autre chose, se confronter à d'autres jeunes. Et surtout cette compétition va permettre justement aussi pour certains de préparer les championnats de France et surtout préparer les Jeux du Pacifique pour proposer une nouvelle idée. En tout cas, une bonne délégation et on est sur la lancée pour la motivation pour organiser au mieux l'année prochaine pour ce match mineur entre Wallis et Futuna, Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Voilà, notre aventure tahitienne s'arrête ici. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. Une chose est sûre, c'est que nos jeunes athlètes ne sont pas prêts d'oublier ce premier voyage hors de la Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne déjà prochainement rendez-vous avec Grand Angle pour une escapade qui vous emmènera cette fois-ci au Vanuatu. À bientôt.